Bonjour, mais tu es seule, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. On est mardi 24 janvier. J'ai un colis à ouvrir. J'ai craqué hier. C'est hier, avant-hier. J'ai fait une petite, commande. Et je vous explique pourquoi j'ai fait la commande. En fait, samedi 5h, j'ai mon furet qui est décédé et dimanche j'allais, c'est dimanche, j'allais pas trop bien. On était à la convention pour me changer un peu les idées parce que j'ai du mal à rester dans la pièce où elle était. Je viens aujourd'hui seulement nettoyer sa cage et j'ai du mal. Il me reste plus que la démonter, tout est déjà lavé et du coup je voulais me faire plaisir, voilà, et me changer d'idée. Je me dis, je vais me prendre des livres. Voilà, c'est ainsi. Du coup, on va commencer tout de suite. Je me suis pris le nouveau Abuser de toi, c'est dangereux pour mon cœur, de Carol M. Lunn. Chez, par contre, ils ont mis mes livres n'importe comment. Chez Collection et H. L'amour, c'est un plus positif d'un cocktail. Ça va parler de cocktail, j'aime beaucoup. On verra ce que ça donne. Voilà. Après. Oh putain, ils ont abîmé mon livre avec leurs conneries. Oh bah, ils ont même déchiré le livre en fait. J'ai pris le nouveau LG Chen. Par contre, je ne sais pas prononcer en anglais. Il est trop beau. Même le... Ah, je ne sais pas si vous allez voir. Là, il est abîmé. Ils ont déchiré le leaf. Voilà. Ils ont mis l'autre leaf. Regardez, ils ont déchiré la page. Ah, je ne sais pas si vous allez voir. Ah, je ne mets pas dans le bon. Là, regardez, ils ont déchiré la page. Enfin, soit. En fait, il y a deux gros leaves et... ils ont mis le gros livre comme ça et les autres comme ça. Du coup, le coin l'a abîmé. Oh, vous avez fait une chute. Badaboum. Je me suis pris en Arbac. Toc, toc. Le Sarah Jimas Grinsen City chez De Saxus. Il venait de ressortir en toc toc. Du coup, j'hésitais à le prendre et je les ai pris. Enfin, je l'ai pris. Et j'ai pris le tome 2 avec. Voilà. Tome 1 et tome 2. Voilà. Le premier, c'est Maison de la Terre et de Sang. Et la deuxième, c'est Maison du Ciel et du Souffle. Voilà, de Saxus. Je vais pas retirer le plastique pour le moment parce que je vais pas les lire tout de suite, tout de suite. Du coup, voilà. Mais voilà pour les deux. Enfin, les quatre petits livres que j'ai pris. Il me semble qu'il m'en manque. Hein. Je vais regarder ça. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce. Je n'ai rien d'autre à faire. Vous montrer. À part, je. Ils ont remis comme ça. Ça aurait été beau. Mieux. Alors, il est tombé. Et... comme ça. Enfin, soit. J'ai occupé à faire mon diamond painting. En attendant, je m'occupe un petit peu. Et là, je vais aller un peu lire. Parce que j'avance pas dans ma lecture. Je ne l'ai pas avec moi là. Je ne vais pas vous montrer. Je vais montrer ça après, je pense. Voilà. Voilà, et sur ce, je vais vous laisser et je vais checker si j'ai tout reçu. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous! Bonjour, monsieur Lucia, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. On est là dans ce vlog. Je vous ai pas pris beaucoup cette semaine, je crois que je vous ai pris qu'une fois quand j'ai reçu le colis. Et voilà. C'est tout, je pense, j'ai pris qu'une fois. Du coup, j'ai des petites choses à vous parler et vous montrer. J'ai terminé ma lecture qui est Love Boa. Je sais pas comment ça se prononce. Bota. Voilà, de Natacha Piroge. C'est pas un coup de cœur, c'est une super bonne lecture. J'avais envie de partir en croisière avec nos personnages, même de la remplacer. Tout est bien écrit, c'est top top top. Je sais plus son nom, Justine et Connor. Ouais, enfin en soit, ils vont. Elle va partir avec ses copines
sur un bateau de croisière. Elle a quitté son ex et elle a un petit garçon. Et elle va laisser son petit garçon à son ex-mari. Voilà. Et elle va faire une croisière de 15 jours sur un bateau. J'ai trop envie de reprendre sa place. L'histoire est vraiment bien écrite. On nous explique plein de choses, les activités qu'elle fait. Et c'est un bateau avec des call girls. D'accord. C'est pas des call girls. Les hommes, oh, c'est. Je sais plus le nom. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il est tôt du matin, c'est pour ça. Il est même pas. Enfin, il est passé 7h30. Voilà, je suis. Enfin, il est passé 7h30. Il est 6h45. Voilà. Et j'aime beaucoup. Elle va rencontrer un beau garçon. Enfin, ce qui est décrit. J'avais envie de prendre sa place. J'avais trop envie de passer du temps à sa place. Je sais pas pourquoi. Les paysages décrits, c'est trop bien. Je vous conseille à 1000% si vous ne l'avez pas encore lu. C'est un auto. Non audité. Je sais plus. Auto-édité. Par Natacha Piroge. Et franchement, n'hésitez pas à foncer. Parce que. Il est trop bien. Le seul truc qui est. C'est écrit tout petit. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Moi, je l'ai lu sur ma liseuse parce que. Je lis beaucoup le soir et le soir, ben, en fait, cette semaine j'ai fait un petit peu de diamond painting avec la lumière en dessous, j'ai attrapé mal à la tête. Et du coup, et puis j'ai vite mal à la tête moi quand mes yeux sont fatigués. Du coup, je l'ai lu à la liseuse, j'avais plus facile pour moi de le lire avec la liseuse parce que je mets les. On met la grandeur des lettres comme on veut et j'avais plus facile et je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je crois que je l'ai lu en 3 ou 4 fois. Je l'ai pas vu passer. Il fait 240, 250, un truc comme ça et je l'ai pas vu passer. Je l'ai mangé. J'ai mangé ce livre. Voilà. Je vous le conseille à 1000%. Après, je vais vous montrer le petit archivage de hier. Je me suis procuré tous nos. Battement de cœur de Erika Boyer. Il est trop beau. Voilà. Et le seul petit truc que j'ai vu, c'est écrit aussi tout petit. J'ai peur de. Voilà. Et alors, vous avez plein de choses. J'ai regardé. Vous avez des SMS. Et vous avez des écritures papier. Comme ça. Regardez les écritures. J'aime pas du tout ça. Voilà. Vous avez aussi un peu lettres bizarres là. Des petites lettres, je pose, de journal. Ça a l'air trop bien. Je voulais la quatrième de couverture. Joey mène sa vie tranquillement, paisible, berger par la douce mélodie qui s'échappe d'un appartement voisin. Chez elle, abrite de ce monde qui lui fait ressentir trop vivante les choses qu'elle est en sécurité. Un jour, elle découvre que un courrier qui ne lui est pas adressé dans sa boîte aux lettres. Elena, la Pionti, qu'il aime écouter jouer, a quelques paroles de son cru appris à la vieille guicheuse de leur résidence. Joe pourrait se contenter de transmettre le message à son véritable destinataire et suite oublier pourtant ses vrais savoir en savoir pourquoi elle décide de répondre à Eliana. Après tout, quelques mots ne changera pas son existence n'est pas. Un message fort, virulent par des personnages vrais, une histoire belle et réelle. Voilà, j'ai envie de plonger dedans. Mais voilà, le seul truc que j'ai un peu peur, c'est. Il est bien fait, ça va changer, il y a des petites taches de partout. L'écriture, quoi. J'ai un peu peur pour l'écriture. Voilà. Oh, deux. Petite affiche où mon numéro, il y en a des.
j'aime beaucoup. Là aussi, c'est vraiment à la fin qu'on voit. Voilà pour ça. Et ma lecture en cours, je prie celui-là, Baby Ram, je sais pas prononcer, je sais les noms bizarres. Et j'aime beaucoup cette couverture. Le tome 1, et j'ai lu 42 pages hier soir. Voilà. J'aime beaucoup cette. C'est Hugo Poche, la collection Nous Romans. J'aime beaucoup ces livres parce que c'est écrit quand même bien aéré, assez gros. Que voilà, que ces deux-là. Voilà, du coup, ben, là je vais bientôt partir. Il va venir avec moi. J'ai vraiment pas envie de bouger aujourd'hui. Je vous dis, j'ai envie de me remettre. Mais voilà, c'est deux. Trop bien, j'ai ces trois tomes, si je dis pas de bêtises, et c'est un drama psychologique. Jusque maintenant, j'aime beaucoup. On suit Célia qui travaille dans un café et qui a depuis un an un monsieur vient faire sa commande, mais il quitte pas son téléphone, il regarde tout le temps son téléphone et jamais la serveuse, on va dire. Mais c'est toujours chez elle qu'il va et elle va faire tout pour rencontrer cet homme. Voilà, et il arrive toujours à 11h05. Voilà. Et voilà, elle lui arrive plein de choses. Je vous laisserai le découvrir. Peut-être que vous l'avez déjà découvert parce que c'est un vieux livre. Depuis longtemps, il est sorti 2018. Voilà. Et depuis un moment, il est dans ma palle. Et comme c'est le défi avec Mariette, je sors de ma palle. C'est pour ça que je les sors aussi. Parce que le défi, c'est plus facile de le sortir. Et il était dans quelques degrés. Un livre de plus de 500 pages. Voilà, il en fait 510. Du coup, je suis dans mes... je suis bon, quoi. Il fait 10 pages de plus. Je suppose qu'elle est d'accord avec ça. Voilà, et j'en ai lu. Et lui, il était dans... il est où, du coup? Là, un livre d'un auteur que tu apprécies particulièrement. Comme j'avais lu... celui-là, j'avais un doute de le laisser parce que j'avais pas... Si c'était un livre qui était mitigé, voilà. Il pouvait remplacer celui-ci. Parce que c'est la même autrice du premier livre que j'ai lu qui est Fabulous Vegas que j'ai lu le premier de cette défi avec Mariette. Du coup, je suis à mon 1, 2, 3, 4, mon cinquième. On est déjà le 4. J'ai lu Love, celui-là, Fabulous, Julius et Love. Ouais, du coup, je suis à mon cinquième. Cinquième roman. Du coup, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah, allez. J'ai un doute là. Je sais plus, je suis au quatrième ou cinquième. Passons, ça n'a pas d'importance. On est 12 livres à lire. J'ai déjà lu celui-là, La Joyeuse. Et voilà. Sur ce. Je vous laisse, je vais lire un quart d'heure parce que je pars à 7h et il est 50, même plus un quart d'heure. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard. Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je reviens dans ce vlog, ça fait un moment, je crois que je ne vous ai pas pris. Voilà, mais j'ai pas été trop bien, maintenant ça va un petit peu mieux, du coup je suis là. Et je vais vous parler, enfin je vous ai pas dit, on est lundi 30 janvier. Et pour ceux qui ont vu le dernier vlog, je pense, je pense que c'est dans le dernier vlog. J'ai été à Primark pour Madame Mariette, pour les chaussures, je ne sais pas où elles sont, bien sûr. Elle est venue ce week-end, elles étaient trop grandes, du coup j'étais aujourd'hui tout de suite. Elle est venue hier et j'étais... Aujourd'hui matin, aller les échanger. Du coup, je les ai changés. Elle avait eu pris la pointure 30. Elle m'avait demandé la pointure 39 et je lui ai pris la pointure 38 maintenant. Voilà. Mais du coup, j'ai craqué sur d'autres petites choses. Vous savez, c'est les soldes. Ah ben là, je peux vous les remontrer.
les chaussures en question qui est ceci. Voilà, c'est la collection 100 ans de Disney pour le moment à Primark. N'hésitez pas à aller. Je vais vous mettre cette vidéo, j'espère pas trop tard. Voilà, elles sont trop belles. Elles sont à 16 euros. Voilà. Et elles sont trop belles. Elle aime bien tout ce qui est ce genre de choses, du coup, voilà. Moi, je me suis pris une veste sans manches. Elle est trop belle. Un bleu. Je ne sais pas comment vous dire le bleu, mais il est beau. C'est un beau bleu. Voilà, comme ça, avec deux petites poches. Vous voyez, c'est sans manches et avec une capuche. Elle était, je vous montre, à 22 euros, mais elle passait à 10 euros. Oh, celle-ci, il n'y avait pas de. À 10 euros, à la place de 22, comme il y avait les soldes dessus. Du coup, je me le suis pris. Oh. Je me le suis pris. Je crois que j'ai pris même la trop grande, mais c'est pas grave. Voilà, ce sac est terminé. On mettra la veste Mariette dedans. Et les chaussures, je vais remettre les chaussures dans ce sac-là. Ça, je vous montrais en dernier. Après, on a pris la deux. J'ai pris les deux. On a pris deux mêmes. Ça, c'est la mienne. Les 100 ans de Disney. Du coup, j'ai pris une veste qui se présente comme ça. Je vais essayer de la fermer un petit peu pour que vous la voyez un peu mieux que ça. C'est juste des pressions. Je ne sais pas si ça, elle est au courant. Voilà. Elle est comme ceci. Pas si vous voyez, elle est bleue avec le logo là. Là, les manches, elle est blanche avec Mickey, Donald et Pluto avec les manches bleues. Voilà, je sais pas si c'est. Et là, elle est toute blanche. Voilà. Et derrière, vous avez le logo Walt Disney avec un autographe. Voilà. Je sais pas lire, mais si. Mettre de plus près si vous voulez. Voilà. Elle est trop belle. Elle est à 35. C'est la plus chère de tout ce que j'ai pris. Et du coup, Mariette a la même. En plus petit, bien sûr. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est ceci. Un petit sac. Je le trouvais trop beau. Mickey. Des 100 ans aussi. Il est à 8 euros. Je ne trouvais pas cher. Vous avez même la petite tête de Mickey, là. C'est une bandoulière. Voilà, je ne sais même pas comment elle est dedans. Donc vous l'avez encore là, le. Voilà. Et je me suis dit pour aller faire des petits trucs, c'est bien assez. Par contre, j'ai pas vu le ticket. On m'a dit qu'il l'avait mis dans le. Voilà, dedans c'est blanc. Avec juste le petit tac là. Voilà, c'est juste blanc. Voilà. Il est beige. Brun, enfin un peu brun, la beige plus brun, voilà. Et là je sais pas non plus. Alors là non plus, hop, voilà, avec une petite pochette à l'avant qui a rien non plus. Voilà, ben voilà pour tout ça. Ah ben si, il est là. Faut pas que je le perde, on sait jamais, pour la veste. Voilà. Et j'ai été invitée chez Action parce que je voulais voir les petites figurines que je vous ai ouvertes sur la chaîne Disney, des petites princesses là, mais il n'y en a plus. Du coup, voilà. Et je voulais vous montrer, j'ai été Action et du coup, je me suis pris un petit enfin, c'est un notebook, voilà, 116 pages et c'est un 80 grammes. Avec la petite ficelle qui est dedans. Je vais ouvrir un. Hop. Et vous avez même le bic. Et c'est un peu le toucher tout doux. Voilà, il se présente comme si vous avez le bic là. Et c'est des lignes dedans. Voilà. Petite ligne. Et du coup, là vous avez des petits cœurs. Et là, je vous montre le deuxième. Le tout rouge. Voilà. C'est le même, c'est sans page. Ils ont collé ça. Là, ils ont collé ça, c'est horrible. C'est horrible. Ça va faire une tache sur le rouge. C'est ce que je disais.
T'as fait une tache de colle. Enfin, soit. Et le rouge, il se présente comme ça. Voilà les deux modèles qu'il y a chez Accent pour la Saint-Valentin. Il n'y a pas trop de trucs à la Saint-Valentin. Et c'est aussi des lignes dedans. Voilà. Tout simple. Oh, j'ai pas vu mon pic, il est cassé. Et alors, vous avez l'endroit là pour le bic. Je vais essayer de le sortir s'il veut bien. Super, il veut pas sortir. Est-ce que lui, je sais le sortir? C'est un peu plus dur. Et du coup, il s'ouvre comme ça. Il écrit enfin bleu. Parce que souvent, c'est noir. C'est bien ça. Du coup, le rouge, je sais pas l'avoir. Et j'espère qu'il n'est pas cassé. Regardez. Ou alors, il est dévissé. Il est cassé. Oh, fichier. Pourquoi j'ai pas vu ça? Faudrait que je regarde pour l'arranger. Mais je vais pas vous... Il écrit bleu aussi. Je regarderai ça plus tard. Voilà, mais du coup, j'ai pris ça. Les petits agendas. Enfin, agendas. Pas des agendas. Et du coup, je voulais vous parler de ma lecture qui est toujours en cours. Ben, j'avance bien dans celle-ci. Je sais plus quand je vous ai dit. Je suis à 116 pages, au chapitre 22. Voilà, je suis très contente. Ça avance très très bien. Voilà pour ça. C'est tout pour le moment. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je fais un peu du Disney hier. J'avance bien. Je suis presque fini de tout ce qui est Disney. J'ai presque fini toutes mes missions. J'ai fini beaucoup de choses. Il me reste de faire monter mes personnages au niveau 10. Il m'en reste plus beaucoup. Il m'en reste 3 ou 4 à faire monter au niveau 10. Et je crois que c'est le 6-7. Il y aura un nouveau challenge. Du coup, on verra bien. Et voilà. Sur ce... Voilà, je sais pas quoi faire. Voilà, là, j'ai mis en fond. J'ai mon chat qui fait le con. Petit boudou, elle fait du coloriage quand je viens de rentrer. Voilà, c'est tout. Et moi, je vais vous laisser. Et je vous dis à plus tard pour la suite de ce vlog. Bon, bonjour mes petites et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je reviens dans ce vlog. J'ai l'impression d'avoir un truc là. Mais non, c'est un reflet, je crois. Je reviens dans ce vlog, on est mardi 31, c'est ça, c'est mardi qu'on est. Oui. Oui, on est mardi 31. Et je reviens dans ce vlog pour vous parler d'une chose que je viens de, tout juste dans l'instant de terminer. Je vous explique, ça fait plusieurs fois, mais il faut que je le mette dans mon carnet, je l'ai pas encore mis. Ça fait plusieurs fois que quand je travaille chez moi ou quand je vais donner un coup de main chez ma tontine, je mets mes écouteurs et je me mets un livre audio. Et je me suis écouté les Malcolm, le tome 1. Et je viens juste un instant de le terminer. Je ne sais pas si vous allez voir, mais la différence entre là et là. Ça faisait un moment que je l'ai dans ma pile à lire et je l'ai fait en écoute. Je suis contente de l'avoir. Il a eu une autre de 8 sur 10 sur BookNote. Voilà, je ne l'ai pas encore rentré sur LibreAddict. Je vais faire ça aussi. Voilà. Vous entendez tout plein de bruit, je crois. Voilà. Et je suis trop contente de l'avoir écouté. Pas lu, du coup. Écouté. Je ne sais pas si je me procure les autres tomes. J'ai un doute quand même. Voilà. Mais voilà. Je sais pas. Ou si je me les ai fait en écoute aussi. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je verrai bien. Mais c'était une très bonne lecture. Il faut que je le mette dans mon carnet maintenant. Et voilà. Et l'autre que je vais faire en écoute, ce sera toujours l'autre que j'avais commencé. C'est Rose Éternelle, je crois. De Ophélie du Chemin. Il faudrait que je le trouve. Et je vais finir. J'avais ces deux-là en cours et j'ai fait celui-là. Il fait quand même 600 pages. J'ai gagné du temps avec celui-là. Et ma lecture en cours qui est toujours celle-ci. J'ai bien avancé. J'ai passé la moitié. Je suis à 303 au chapitre 28. Et c'est 110 pages. Du coup, il me reste 208, 207, 207. Je ne dis pas de conneries. 207, 208. Voilà.
pages à lire et je voudrais bien essayer de le terminer pour vendredi. Vendredi, jeudi. Jeudi ou vendredi, ce serait top. J'aime beaucoup l'histoire. Quand je suis dedans, je le bouquine, je bouquine, je bouquine. Hier, j'ai lu 87, 85, 88 pages. Je n'arrête plus quand je suis dedans et ce soir, je vais pas lire beaucoup parce que il y a, je sais plus comment ça s'appelle, ma série que je regarde sur TF1. Mais j'aimerais bien continuer ça. Mais aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de ménage. Là, j'ai rangé tout ce qui était là. Voilà. Vous voyez là où il y a Hello Kitty. J'avais deux sacs. Ouais, trois gros sacs que j'avais empilés. Parce qu'à chaque fois que j'ai un truc que je ne sais plus mettre, je mettais dedans. Et là, je les ai retirés. J'ai du coup rangé un peu mieux. Et j'ai mis les sacs de l'autre côté. J'ai plus qu'à faire les photos pour les mettre en vente. Je vais les mettre sur Vinted demain. Je vais faire une partie. Je vais essayer pas tout. Je vais essayer de faire une partie. Croisons les doigts pour faire tout. Mais voilà. Et du coup, je sais pas si je vais lire aujourd'hui. Là, j'aimerais bien lire. Mais il y a l'envie et pas l'envie. Je sais pas comment dire, mais voilà. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis très contente de l'avoir lu, le Malcolm, parce que j'entends beaucoup de bien. Le seul truc que j'ai eu un peu de mal au début, c'est que, en fait, dans cette histoire, on va suivre les clans Écorce, et du coup, on va suivre les Malcolm. Lui, c'est, je sais plus comment il s'appelle. Son nom? Oh, je sais plus. Enfin, la jeune femme qui va retourner en Écorce parce que son papa est décédé par un groupe d'Écorce qui s'est abattu, enfin, est venu se combattre, on peut dire, sur son père. Et il a pris les armes, quoi, on va dire. Et il est décédé et il lui a fait une lettre comme quoi elle devrait retourner en Écorce. Et elle est partie en Écosse. Dans son pays originel, elle est née de là-bas, voilà. Et elle va tomber sur les Malkoi, un clan, et il va la faire un petit peu, plein de petites choses va faire que elle va le suivre et elle va essayer de reprendre son clan en essayant de comprendre ce qui s'est passé dans son clan, qui a tué son père, et elle va apprendre plein de choses. Je vous en dis pas plus parce que voilà. Le seul truc que j'ai un petit peu, c'est de la forcer à. Parce qu'en fait, elle va travailler. En fait, elle va vivre dans une famille. Au début, elle rentre dans une famille et elle va travailler à une licorne. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, une licorne. Et là, elle va être victime de meurtre et c'est les Malcolm qui va la. On va dire la kidnapper, elle va être la pupille du clan, enfin du chef du clan. Et du coup, elle va se retrouver avec eux et il va voir plein de choses, voilà. Mais elle était dans une famille avant, j'avais oublié ça. Comme je le lisais en. Je dirais bien que je l'ai lu en un mois quand même. Parce que je le fais que de temps en temps. Et ici, hier, d'avoir été pris métro, j'avais écouté. J'ai écouté aujourd'hui. Voilà. Du coup, j'ai terminé ce livre et je suis très contente. Voilà. Voilà, sur ce, je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Sur ce, je vais vous laisser. Oh, monsieur va avoir fini dans une demi-heure. Je vais vous laisser et je vous dis à plus tard pour ce vlog. Vous n'avez pas grand-chose pour le moment. Je sais. Je suis désolée, mais voilà. J'ai changé mon lit. J'ai fait du ménage. Je suis contente. Ça fait du bien. Ça me manquait un peu et je vais le rentrer ici, les Michael, parce que j'avais oublié. Les My. Oh, je sais jamais, c'est deux C. Oui. Juste ça, je sais jamais si c'est deux C ou un C. Voilà. Et. Oh, il y a un coup. Et quand même 6. Je l'ai lu. Voilà. Et je vais lui mettre une note de combien? J'ai mis un 8. On va mettre 17 ici. Voilà. C'est une bonne note. Hein. Voilà. Et voilà pour ça. Voilà. 17 et un 9. 8 sur l'autre. Netflix. 9.
Moodbook. Et si vous voulez me rejoindre, c'est Bébé Clochette. Et l'autre, je sais jamais, c'est aussi Bébé Clochette, je pense. J'essaierai, mais je crois qu'ils sont. Il faudrait que je vous mette les liens s'ils sont pas dans la barre d'infos. C'est Clochette barre milieu là, Tigrou. Voilà. Je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. Bisous, bisous. Bonjour, Mitsubishi, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je reviens dans ce vlog. On est samedi 4 février. Je crois que je vous ai pas repris depuis au moins 2 jours. Moi, je crois 2 jours, enfin, soit. Et du coup, je reviens dans ce vlog parce que j'ai terminé celle-ci jeudi. Jeudi matin, je pense. Baby Random de Alexandra Gaillet, je crois que c'est le tome 1. J'ai adoré ce premier tome. J'ai hâte de lire le deuxième. Comme les autres, pour le moment, il faut que j'attende avant de lire la suite. Je suis mal foutue. J'ai un peu la tête de. Je viens de sortir de la douche. Et j'ai complètement oublié de vous prendre hier. Du coup, je vous prends en vitesse pour monter le vlog. J'étais en train de faire pour le montage en fait. Et je me suis rendu compte que je l'avais pas pris et pas conclu ce vlog. Du coup, j'ai lu celui-ci et c'est une belle histoire. C'est touchant. Ici, on va suivre notre jeune fille qui travaille dans un café. C'est ça? Ouais, un café. Et à 11h. 5, 11h05, il y a le grand un monsieur qu'elle est sur son charme, mais sauf que il l'a jamais regardé. À chaque fois qu'il arrive, il commande le même café, le même muffin, il donne les sous, il donne pas une pièce de plus, voilà, il ne lève pas sa tête du téléphone. Et de ça, il y a son patron qui veut un rencard avec elle, sauf qu'elle, elle refuse parce que c'est son patron. Voilà, et la suite est trop chouette. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous cacher cette lecture, parce que c'est en découvrant ce qui se passe qu'on se met vraiment dedans. Et Célia habite dans un appartement où elle n'a pas les moyens de payer souvent le loyer. Aussi, et en face de chez elle, il y a une mamie qu'elle s'occupe parce que ses parents l'ont un peu. Parce qu'elle a déménagé de. Je crois que c'est loin de son. Chicago. Non, c'est de Chicago qu'elle est. Elle travaille à Chicago. Je sais plus où sa famille est, mais enfin, soit sa famille est un peu plus loin et elle est partie pour. Voilà, et sa famille veut plus un peu. Plus savoir trop d'elle. Je vous laisserai en découvrir plus. Et du coup, elle s'occupe d'une petite mamie en face qui lui fait à manger, elle lui fait prendre ses médicaments. C'est trop chou parce que ils se connaissaient pas. Et du jour au lendemain, c'est venu comme sa mamie. Et voilà. J'ai trop envie de savoir la suite parce que c'est fini sur un truc que vous voulez envie de savoir la suite. Là, maintenant, j'aurais bien voulu me prendre la suite, mais je ne peux pas parce que je suis dans le défi avec Mariette. Du coup, je vais, quand ce sera fini, ben, je me lancerai dans les tomes suivants. Même si, avant de lire le tome 1, j'en ai un autre à lire avant de lire le tome 2, plutôt le tome 2 de celui-là. Parce que l'autre, je dois le lire. J'espère avoir fini parce que je dois le lire avant mai. Parce que je voudrais bien me donner mon avis. Voilà. Et du coup, j'ai recommencé. Vous voyez mon petit chat petit chat. J'ai commencé une autre lecture directe. Enfin, direct, on peut dire ça comme ça parce que j'ai pas lu beaucoup ce jour-là. J'ai pris Maudit Cupidon de Laurent Palois. J'ai le livre de poche jeunesse. Je sais pas lire Palou. Je sais pas si vous allez voir avec le reflet. Il est shiny, shiny. Hein. Regardez, vous avez mon chat qui est en train de se laver là. Va, Doudou? Doudou? Oudi? Oudidi? Que t'es beau! Voilà, du coup j'ai commencé, je suis qu'à 48 pages, je vais continuer ça après avoir fait le montage de cette vidéo, enfin de ce vlog. Voilà. Pour le moment, on suit. En fait, en fait, Cupidon ne peut pas avoir son âme sœur et son âme sœur est arrivée.
Voilà, et tout ce que je sais, plus ou moins. Et du coup, on va suivre ça, et j'en sais pas plus. Je peux vous lire la quatrième de couverture si vous voulez, ce sera peut-être plus facile. Ce n'est pas possible. Je dois être en train de rêver. L'âme sœur n'existe pas. Cupidon encore moins. Il est censé être en légende, un bébé mignon avec une arc et des flèches. Pas un homme dangereux et séduisant qui pourrait croire que Cupidon est un b-boy. Et même si tout ça était vrai, pourquoi m'a-t-il choisi moi? Voilà. Parce qu'on voit toujours le petit enfant de Cupidon, mais si c'est un homme, on verra. J'ai vu des bons avis de ce livre. Du coup, ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Et comme je sais plus dans quoi il est, dans le défi avec Mariette, je crois que j'ai pas mon livre ici. Je ne saurais pas vous dire dans quoi il est, mais je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog. Voilà, parce que je vais conclure ce vlog ici. Mais du coup, j'aurais quand même fini celui-là et commencé celui-là. Je vous ai pas trop donné mon avis, mais vous aurez dans le prochain vlog. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lu, un des deux livres là. Ce que vous pensez, vous. Ou si vous allez le lire parce que je vous ai donné envie. Celui-là, je crois que je vous ai pas trop donné envie parce que je n'ai pas lu beaucoup. Du coup, voilà. Sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Bisous, bisous.